Bonjour, j'avais envie de vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu, Marco Pantani a débranché la prise, aux éditions de la Contre-Allée par Jacques Josse. Chapitre 11. C'est entre Bourdoisan et Val Thorens, dans la 17e étape, qu'il gagne en partie ce pari fou. Victime d'une chute en début d'étape, blessé au genou gauche et au nez, il se relève en pleurs, désemparé, au bord de l'abandon, avant de se remettre lentement en selle, aidé par ses équipiers. Il chausse ses lunettes noires pour cacher ses yeux rougis et passe plusieurs minutes près de la voiture du médecin de course, recevant des soins tout en roulant. Décroché du peloton, il monte le col du Glandon à sa main, récupère au fil des kilomètres et ne sent bientôt plus la douleur. Il réintègre le groupe de tête à l'approche du col de la Madeleine. Il tente de s'enfuir mais doit se rasseoir. La télévision française s'attarde sur son genou tailladé, le réalisateur étant étonné, tout comme les téléspectateurs, par la force de caractère affichée par celui qui, 3 heures plus tôt, se relevait difficilement de son roulé-boulet sur la caillasse. Dans l'ascension vers Val Thorens, il place une nouvelle banderille, décisive cette fois, non pas pour l'emporter, 2 échappés naviguent loin devant, mais pour se rapprocher au classement général. Dans son style si caractéristique, le coup de pédale limpide, les mains en bas du guidon, dodelinant de la tête, il se bat avec fougue, oublie la souffrance et remonte, grâce à sa performance, à la 3e place du classement. Chapitre 65. Madonna di Campiglio, province de Trent, 5 juin 1999. Il est 7h30 du matin. Il y a de l'agitation dans l'air, les portes claquent dans les hôtels, les coureurs sont priés de rester dans leur chambre. Une équipe médicale mandatée par l'Union Cycliste Internationale débarque pour mener une opération coup de poing qui vise à contrôler l'hématocrite, le taux de globules rouges dans le sang, des concurrents. Les prélèvements sont effectués au pas de charge, puis ils sont expédiés par hélicoptère à l'hôpital de Côme. Les résultats des analyses sont dévoilés peu avant 9h. Quand ils tombent, c'est une déflagration, un choc inattendu qui plombe en une seconde la course. Tous les coureurs sont déclarés aptes à repartir, sauf un, Marco, le maillot rose. Contrôlé avec un taux de 52%, il est instantanément mis hors course. La barre fatidique est fixée à 50%. Au-delà, il y a présomption de prise d'EPO, une hormone de synthèse qui augmente l'apport en oxygène des muscles et améliore les performances. Chapitre 97. Au bar del Corso et au bar dei Pini, à Cesenatico, les supporters ne le disent qu'à demi-mot, mais ils en sont persuadés. C'est la cocaïne qui a tué Marco. Il en consommait régulièrement, ne pouvait plus s'en passer. S'il se trouvait à Rimini, c'était peut-être pour être plus près des dealers. Quant à savoir s'il était seul dans la chambre au moment des faits, si c'est lui ou un tiers qui a préparé la dose fatale, il ne dispose évidemment d'aucun élément pour se prononcer là-dessus. Tonina est plus catégorique. Elle affirme que l'on a assassiné son fils. Eux, il répète en boucle que sa vie a basculé en juin 99, en moins de 5 minutes, et ce fut à Madonna di Campiglio. C'est là qu'a commencé sa lente descente aux enfers.